Sans mes commentaires, c'est un programme nous commencer depuis quelques mois. Nous remarquons que Somme a un message la caillou. Nous remarquons que même si que c'est musique que vous avez, on paquet là-dedans, y a un message, y a une communication, y a une prière, y a une adresse spéciale. C'est peut-être ça d'une façon spéciale. Nous commençons à faire Somme depuis Somme 1 et puis nous dit comme ça qu'on a fait toute Somme jusqu'à Somme 150. C'est Elder Emmanuel qui va le présenter nous. Somme 39. Merci infiniment et prophète Moshe. Et n'a dit bonjour à tous nos frères et sœurs, à tous rois et reines qui avec nous matin pour que nous capables offrir ce culte à Abaya, notre Dieu et notre Père. Nous pouvons aller garder ensemble avec nous Somme 39. Somme 39 qui adressé à Chef Sambayo et spécialement à Jedutoun. Eh bien, Jedutoun qui est resté. Jedutoun, c'était un lévite. Et monsieur, c'est une principale samba, ou chef samba, qui était dans le temple à Baya, à Jérusalem. Et si on n'est que David te remet en pile, et après la mort de Jedutoun, reste formé Jedutoun, c'est eux encore qui te continue à observer, puisque vous avez formé un gros corps musical et qui a égayé le peuple Abaya. Donc c'est à monsieur ça que David lui-même lui adresser somme ça en tant que chef samba qui lui-même pour aller faire peuple là chanter nan nan Abaya. Moi te promets moi t'a veiller sous parole moi pour pas pécher avec langue moi. M'a mettre un frein dans bouche moi. Tout autant méchant yo pas camper là devant moi. Donc ça c'est parole de David côté que lui a fait état de censure même que les bail tête pour le veiller sous parole et sous ça que l'a dit. De telle sorte que il va pécher avec l'anglais. Et c'est pas sans raison qui fait que Yoshua Mashiach lui-même, je suis venu tout à l'heure, que avant ou dire une parole, il faut que ou voir ses langues 77 fois, 7 fois. Parce que parole qui a sorti dans la bouche, eh bien, il est capable de condamner. Et tout comme tout, parole qui a sorti dans la bouche, est bien capable de libérer. Donc, il faut veiller sous langue, et bien, pour ne pas dire n'importe bagaille. Donc, ça fait nous comprendre que, il y a pile bagaille que vous mettez dans la bouche, vous faites marcher à tout, comme quoi il y a pour changer ceci, pour changer là. Mais il n'y a pas changé rien. Lui, reprend, eh bien, des considérations, lui reprend des déclarations qui étaient faites déjà, et que David lui-même, en tant que grand-papa Yoshua Mashiach, eh bien, il était déjà annoncé un peu de bagage, il était déjà son paquet de déclarations que Yoshua Mashiach lui-même lui pourrait servir avec tout pour permettre que, eh bien, nous autres qui vivons à la fin des temps, nous sommes capables de mieux comprendre comment pour que nous sommes capables d'appliquer eh bien, la loi de Dieu. Donc, David,
li continue nan verset double que m'a mete yon frein nan bouche moi tout autant méchant yo va camper là devant moi pour qui ça c'est parce que on est là avec les provocations or l'homme discute avec moun ou ka provoquer moun nan comme ça que moun nan ka provoquer tout or la parole c'est un élément que yo utilise en pile pour faire provocation or David il te veut éviter que parole pas servi de un tremplin et bien pour méchant ou pour capable attaquer. Et dans verset 2 il continue dit moi ferme bouche moi pas dire un mot moi pas parler même ça pas servi rien moi souffri pire. Bien que David pas parlé, bien que David gardait le silence, il fait un bouche pour éviter que le panel altercation avec qui que ce soit. Eh bien, David, donc, ça n'a pas servi à rien, parce que malgré tout, il n'a pas parlé, mais pourtant, il souffrit pire. Pour qui ça? C'est parce que David, son nègre qui dégain pile ennemi, quand tout le monde qui part en mêle, et notamment, nous te voyons l'histoire liée avec Saül, et comment Saül était là, un paquet de monde, derrière, pour te chercher, pour te tuer, quel que soit côté que tu rencontres avec lui. Donc, tout ça, c'était problème donc, pour David. Et dans verset 3, il dit, comme tu es serré en pile, plus moi calculer sur ça, c'est plus ça fatigue. Moi pas capable encore. Donc David lui exprimer à Abaya la peine. Lui exprimer à Abaya qu'est serré. Lui exprimer à Abaya ça qu'a fatigué. Et même son équité à calculer en pile. Et lui dit que plus il calcule sous Balazaro, c'est plus ça fatigue. C'est à qui il veut, David, c'est que David a souffri. Mais par contre, il a souffri. Parce que par contre, il n'y a personne n'a rien. Et en plus, il faut faire souffrir, c'est le monde qui fait du bien. Lorsqu'on commence à avoir le son, David fait un pile bien voulu. Ce n'est que David est capturé à n'importe quel moment parce que Abba a tout dragué David, ça a eu la main. Non, mais David est toujours doué. Les papes mettaient mel sur un roin, et bien de Abaya. Or, bien que ça a été au courant que David décapitait n'importe quel blé, parce qu'il était nommé David plusieurs fois, les films présentaient excuses de David pour même faire ça encore. Et puis, deux, trois jours, il a commencé à pire. C'est ça la situation de David. Qui a souffri, non pas parce que l'idée fait un bagage qui était mal, mais la souffri de ingratitude, et bien de monde que l'idée aidé, de monde que l'idée supporté, de monde que l'idée protégé. Et verset 5. Non, on verset 4 d'abord. Seigneur, femme qu'on est qu'il est ma mourir. Dim, combien de jours qui étaient pour vivre encore? Pour qu'on connaît, c'est passé, m'a passé sous terre. Donc, David, tu as besoin de connaître qui délai qui était lui-même pour mourir. Il a demandé à Abaya pour Abaya faire connaître qu'il a mourir. C'est comme si pour David, il sentit que Jean est là, le mort est plus bien pour lui que la vie. Il demande à Abaya pour Abaya dire combien de jours il était pour vivre encore? Pour le cas qu'on essaie de passer sous terre, ça. Bon, en plus, fois, nous-mêmes, nous connaissons des situations de détresse. Et David a senti que là, on craint la détresse. Et que la mort est plus bon pour lui donc que la vie. Et le verset 5 dit que, regardez, moi, quand je joue qui était pour vivre sous droite, moi, la vie, c'est un coup, rien devant vous. Oui. Tout le monde qui vivant,
c'est un coup la fumée. Donc, c'est ça que David dit, ouais, que la vie aille finalement. Donc, c'est que, un monde qui a vu sous terre, je pour vivre, il pas en pile. Et c'est ça que David lui-même, finalement, il était constaté dans la vie parle. Et il était toujours que Vili, c'est un bail qui comptait. Et là, il dit que lui comptait jouer sous droite. Oh, combien de droite qu'on a, ou bien 10 droite. Donc, ou pas remplir le droit, 10, 5 dans chaque main. Mais, au fond, les David, lui gardait, eh bien, lui voit que il parle en inquiétude. Et il constate que tout le monde qui a vu ce bout de ça, la vie, c'est un coup la fumée. La fumée, hein, c'est un mec qui l'a pris un titan et puis qui disparaît. C'est même avec la vie monde. Le monde qui a vu sous terre, ou pas là pour longtemps. Et ça fait qu'en Haïti, il y a un problème que nous disons que personne ne peut venir faire matin ici-bas. Et David continue verset cela dit que les hommes a promené sous terre tant qu'on l'embraye. Les hommes a promené sous terre tant qu'on l'embraye. C'est pour grand merci, il y a bat koyo. Il y a empilé richesse sur richesse. Il y a pas connait qui monde qui a vienne jouer. Donc les hommes pas voient rien. Les hommes c'est pour un titan sous terre. Les hommes, c'est un coup, on zèbre. Matin, on voit lui bien frais, et puis après-midi, il va voir rien. Et David, lui dit, nous, que les hommes promènent en sous-terre, c'est un coup l'ombraille. Qui est où l'ombraille? Pas dans le soleil. Mais quand il y a un soleil, encore chez l'ombraille, là, ou parole, non? Eh bien la vie de l'homme, c'est comme ça, il est où. Tout le monde a promené bien bel matin, là, bien chelbé, bien frais, et puis Peter a demandé pour lui, et puis il est allé. Donc David dit nous que, eh bien, c'est pour grand merci. Les hommes abattent quoi yo. Les hommes ont pris les richesses sur richesses, bien sous bien. Alors que tout ça qui a pu être ce pour faire, il va aller quitter. Et il va même connaître qui est-ce qui va aller jouer bien ça. Yo. Et en Haïti, il nous tout dit que, eh bien, c'est pas mon affaire pour les ingrats. Parce qu'on a fait tout et tout faire un paquet de bien. Et puis, on m'invite tout, parfois, ou vous pouvez même jouer bien, et vous pouvez m'invite. Parfois, on fait un bagage, on caille, qu'elle va quand même finir même pour rentrer là-dedans, et puis, vous pouvez m'invite. Et ça arrivait un peu loin, mais ça n'a pas empêché que vous pouvez faire bien autant que ça dépend, autant que le possible. Mais, ce n'est pas des biens pour faire, ni dans mauvaises conditions, ni pour te mettre vie attachée à vous-même. Parce que vous allez quitter tout ça que vous faites sous votre ça. Verset 7. Koulia, Seye, Abaya. Ça m'appelle encore. Je réponds, c'est sous. C'est ça, oui, que David d'abord pose la question, mais Seigneur, bon, finalement, ça m'appelle encore. Oui? Parce que, mais tout espoir, c'est sous vous lié. Tout espoir, David, c'est sous. Abaya, parce que les David calculés, les contrôler la vie, lui est que Joule comptait. Et Moïse, dans Somme 90, lui dit nous ça tout. Il dit que les jours de l'homme, c'est 60 et 10 ans. Et pour les gens qui sont en bonne santé, eh bien, jusqu'à 80 ans. Et encore, il y a des gens qui quittent 80, qui prennent 90, qui prennent 100 et qui mourent à 105, 110, 115 ans. Ça arrive. Mais tout ça encore, ça dépend de volonté à Baya lui-même. Et je vais essayer de dire non. Délivrez-moi en bas tout péché mieux. Pas quitter égaré, passer dans la bêtise. Donc, David a adressé directement à Abaya pour Abaya capable de délivrer en bas tout péché.
Parce que David, tout reconnaît que non seulement ils sont pécheurs en tant qu'être humain, mais ils reconnaissent tout que le péché. Le péché, il fait ça pas ça, et le fait qu'il fait ça pas ça, il faut abaya punir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le fait que lui reconnaître ça qu'il fait de qui mal devant Baya, et bien il est venu devant tout pour lui demander le pardon. Et voilà pourquoi il m'a dit à Baya de verser le plat pour Baya délivrer un bas tout péché qu'il fait. Et ensuite, pour Baya, pas quitter égaré ou passer dans la bêtise. Et qui laisse David considéré comme égaré? Et bien c'est le monde qui a mis la loi bon Dieu de côté. C'est le monde qui pas connaît Baya. Et ennemi David en particulier, moun sa yo pa konnen Abaya. Parce que si yo te konnen Abaya, yo pa tap ennemi avec David, ennemi yo pa tap chercher pren la vie David gratuitement. Et verset 9, li kont li di, map fè men bouche mwen. Mwen pa di yon mot. Parce que tout ça, c'est travail. Donc, David, reconnaît que sa ka passe yo. Ça va sortir dans lui-même, et bien ça c'est Abaya Kapeli. David là, il reconnaît, je crois que c'est une déclaration de la Paul ou bien Pierre Mbachonge, mais qui dit que pas de quelle souffrance que Abaya Banou qui dépasse la capacité. Non. Si Abaya lui quitte une telle souffrance ou bien une telle situation, c'est parce que lui Banou aussi. La possibilité et également la capacité pour qu'on soit capable de surmonter. Donc, problème, difficulté, tracas, misère, y a pas doué pour nous un sujet d'égarement, ou bien y a pas doué pour nous un sujet de découragement, parce que David, grand-papa nous, pas découragé, mais il était largué bagaille dans la main. Abaya, il dit que il va parler, il a fait silence parce que tout ce qu'a fait là yo n'en vit pas ce travail Abaya. Et dans verset 10, il continue dit tant pis. Pas battre moi encore. Suspend calme. Moi prêt pour mourir en bas coup de frère yo. David adresser une supplication à Abaya pour Abaya suspendre Kalé. Mais Kalé Abaya, Kalé David là, est-ce que c'était un fouet physique? Non. Ce n'est pas ton fouet physique. Il était encore un fouet physique, tout aussi Abaya te plaît. Mais ce n'est pas ça que le en réalité. C'est que Abaya, ou encore David, tu sentis que Abaya pas bon côté. Or, le péché mettait en séparation entre Dieu et l'homme. Le péché constituait un mur qui permet que l'homme pas qu'à communiquer avec Abaya. Or, une fois que Abaya pas avoir, c'est que vous perdez la face. Et c'est ça qui te arrivé David, qui fait que lui m'a dit à Abaya, pour Abaya suspendre Kalil, pour Abaya pas battre encore, parce que lui peut être mourir en bas coup de fouet Abaya. Et bien, coup de fouet, ça, c'est qui s'accueille, et bien, c'est mur de séparation, ça, et bien, qui barre Abaya avec David, et qui empêche que David lui communique avec Abaya. Et verset 11 a dit, le courrier moun ou puni yo pour faute yo fait ou détruit tout ça yo pire men tant qu'on mite kap manje rad. C'est vrai, oui. Moun c'est tant kou la fume yo ye. Donc les Abaya li même la courrier petit la courrier peuple li pa nan sa avec yo. Le courrier yo puni yo pour faute yo fait et bien li détruit yo puis même petit que le pire est meilleur. Parce que David, son nègre que Abaya te remet en pile,
abattre un pile dans mon bout David. Mais il va d'où avec David dans plus tôt. Et David te reconnaît ça. Et c'est pour ça David dit que les abats a pini petit li. Pour faute petit li ouvert, li détruit tout ça au pire main. Donc un mythe qu'a mangé Rad. Nous connaissons mythe. Mythe sont si bête tout petit. Qui capable dans buffet la caillou et puis là pour un costume un robe un échange pour mettre sous le garde ouais mythe manger et David dit que monde c'est un coup la fumée oui nous tout ça non verset précédent c'est que la fumée hein il a pour un titan et bien après ça chercher la fumée hein ou pas qui veut que le faire. Donc c'est comme ça, nous-mêmes l'homme mouillé. Et verset 12, il dit que tant pis, Seigneur. Écoutez-moi, je m'appelle la prière. Tendez, je m'appelle. Pas ferme que vous, je crie dans pied. Moi, tout d'un coup, toutes les ancêtres moi, c'est étranger moi. C'est passé. M'a passé la carrière. Donc, David baissait le bien bas. Il baissait le bien bas. Pour demander à Baya, pour Baya Koutel, le la prière. Pour Baya, tant de voiles, pour comment la brûler. Pour Baya, pas fermer qu'elle, le la crier dans pied. Donc David mettait le temps qu'on petit monde petit devant Abaya. Devant Abaya pas grand monde. Abaya comme ça. Et c'est ça que David lui-même était fait. Il était baissé bien bas. Et il dit que c'est même bagarre avec les ancêtres moi yo. C'est étranger lié. C'est passé la carabaya. Donc, nous tous qui sous terre, c'est étranger que nous y est. C'est un couchanté qui dit étranger sur la terre. C'est étranger nous y est. C'est passé la carabaya. Terre n'est pas pour nous. Terre, c'est pour la baya lié. C'est lui qui crée, c'est lui qui fait. Et lui mette sous lui-même pour nous gérer le poids d'un titan. Et nous faisons pour nous faire un bon passage sous terre pour nous vivre en conformité avec la loi Abaya, avec le commandement Lyon. Et David conclut dans verset 13, il dit, tant pis, où est-ce que je suis sous moi? Pour nous prendre un petit souffle avant d'aller, avant de mourir. Donc, David conclut. Pour demander à Baya, pour le retirer, j'ai le soulier. Retirer, j'ai le soulier. Ce n'est pas pour Abaya abandonner le nom. Mais pour projeter ça, que Abaya mettait sous lui et qui a fait le souffrir. Projeter ça qui montrait à David que il n'est pas en amour avec Abaya et David sentit que la ville menacé, il m'a dit à Abaya, pour Abaya, retirer le projet de sa soli, pour le capable pour un petit souffle. Parce qu'il connaît qu'il n'est pas loin d'aller. Il n'est pas loin de mourir. Mais, entre-temps, il doit même vivre un petit genre mieux que je la vive là, pour que vie parle capable vraiment en harmonie avec parole Abaya. Donc, David Matéa, voyons pas quelques conseils pour nous. Jean que nous vivons la journée là, faut que nous fassions un retour sur nous-mêmes, pour que nous capables explorer vie nous, pour que nous capables garder vie nous, pour nous qui côté que nous y est, qui Jean que nous y est. Est-ce que nous en harmonie avec parole Abaya? Est-ce que nous en harmonie avec ça Abaya mandé nous pour nous faire? Est-ce que nous en harmonie avec contrat ça que nous gagnons
avec Abaya. Nous pas dire non que nous pas aller contre carte signé. C'est grand-parents nous yo qui te signé avec Abaya. Et contrat ça ali là perpétuellement. Son contrat qu'il a pour tout le temps. Engagement grand-parents nous te prend avec Abaya. Nous te prend dans non pas yo d'une part. Nous te prend dans non tout petit yo. Et nous-mêmes, nous sommes petits dans cette nuit, eh bien, nous avons une obligation pour que nous soyons capables de respecter le contrat avec Abaya. David a péché contre le contrat. Il a reconnu la faute qu'il fait. Il a nous remettre la ville dans Abaya. Je dis, on nous examine la vie nous-mêmes pour nous voir qui côté que nous sommes, pour nous voir qui bon que nous sommes, pour que nous soyons capables de retourner. Abaya, retournez vers les anciens sentiers. Il va relever nous, réparateurs des brèches, monde qui rend pays agréable. Que Abaya bénisse nous abondamment. Alléluia. Alléluia. Alléluia.